Sacha, y a-t-il quelque chose dans ton livre qui pourrait m'aider à faire un bon jus de fraises plus rapidement? Très bien. Oui, je crois bien. T'en as pas eu encore assez avec ça? Ne t'ai-je pas dit que tu perdais ton temps? Oublie ce livre, c'est inutile. Nous savons tout ce qu'il faut savoir pour faire du jus de fraises, n'est-ce pas? Oh! J'ai la tête à l'envers! Oh. Arrête de faire l'idiot, Sacha! Désolée! Essaye de faire attention à la route plutôt qu'à ton bouquin! Prends du jus de fraises! Et les amis, qu'est-ce que c'est là-bas? Regardez! Ah, regarde, c'est les menthes musiciennes! Les menthes musiciennes? Oh, je les adore! Pourquoi jouent-ils sur le bord de la route plutôt que dans une salle de concert? On a de la chance! Les voilà! Les voilà! Ils sont presque arrivés! Préparez-vous! Bienvenue, les amis! On vous attendait pour vous remercier avec une sérénade! Un remerciement musical! Merci! Mais pourquoi? Il paraît que vous êtes en train de préparer votre fameux jus de fraises pour la foire d'été annuelle! C'est exact! D'ailleurs, on vient juste de ramasser les fraises et nous rentrons chez nous pour commencer la préparation! Votre jus de fraises est merveilleux! C'est ce que je préfère à la foire! Ouais! Tout à fait! J'ai hâte de goûter le nouveau cru! À la fin de la foire, nous donnerons un concert en votre honneur! Un concert? C'est génial! Ouais. Youpi! Merci beaucoup pour la chanson! On doit aller travailler maintenant! Au revoir! Au revoir! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous avez vu ces deux-là? Tout le monde attend notre jus de fraise! Il faut s'y mettre immédiatement! Qu'est-ce que c'est? Le téléphone? Qui ça peut être? Ils ne savent pas qu'on est occupé? Allô, Andy Fourmi à l'appareil. Oh, qui? La télévision? Mmh. Wow! As-tu trouvé la nouvelle manière rapide de faire du jus dans ton livre? Mmh. Oui, je suis en train de l'étudier, c'est génial! Vous voulez venir et goûter la première mouture? Et vous voulez nous interviewer? Télévision? Ce serait avec plaisir! Il faut s'y mettre tout de suite! Regardez la télévision? Pas pour regarder, pour nous interviewer! Ça veut dire que tous les villages alentours entendront parler de notre jus? C'est exactement ça, petit frère! J'ai tellement hâte! On en est capable, petit frère! Sacha! J'ai besoin de ton aide! La chaîne de télé vient nous interviewer et je me fais du souci! Nous avons beaucoup de travail à faire et si on ne finit pas à temps, toutes nos fraises ne seront plus bonnes! Pourquoi n'essayes-tu pas cette nouvelle façon de faire du jus que j'ai lu dans mon livre? C'est plus rapide et beaucoup moins fatigant! Non, je ne veux pas entendre parler de ta nouvelle méthode! On ne peut pas se permettre de tout gâcher! C'est une réelle chance pour nous! On fera le jus de la façon habituelle avec la grande machine à jus! Wow, ça va être génial! Ça va juter! C'est exact, Billy! Allons travailler! Il ne faut pas faire mauvaise impression aux téléspectateurs! Mais Andy, avec la nouvelle méthode, on aura du jus frais, on n'a rien de temps! Non, chut, j'en ai assez de cette discussion, c'est fini! Mais on ne peut même pas essayer! J'ai dit non, non et non! On fera notre jus fraise de la même façon qu'avant, avec le grand juteur! Et maintenant, répartissons-nous les tâches! Billy, comme c'est ta première fois, tu m'aideras avec la machine à jus! Sacha, tu emmèneras les fraises à écraser! Et ne touche pas ce livre! Va directement travailler! D'accord! Bien, allons travailler! Hein? Mon frère, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, c'est exactement l'esprit qu'il faut! Toi, petit Billy, tu vas aller chercher les jarres pour qu'on puisse s'y mettre! Où est-ce qu'elles sont? Viens avec moi, je vais te montrer! Il me faut trouver le bon agent de fermentation où on ne pourra jamais avoir assez de jus pour tout le village! Sacha, allez, arrête de rêvasser! J'ai besoin de ton aide pour aller chercher les fraises! Andy, pourquoi es-tu si dur avec Sacha? Elle essaie juste de t'aider! Ça m'énerve beaucoup! On a tous travail à faire, et lui, tout ce qu'il trouve à faire, c'est lire ce livre stupide! Oh, il y a beaucoup de fraises! Comment marche cette machine? Regarde! Tu tournes la manivelle, et le jus sort! Laisse-moi te montrer! Tourne, on dirait qu'une fraise à glace donnerait plus de jus! Et le jus va commencer à se déverser. Tourne. On a besoin d'une autre. Hein? Un autre? Mais tu dois rigoler. Je suis épuisé. Où est Sacha? Oh là là, mais que fait-il donc? On dirait qu'il ramasse des feuilles. Ça doit avoir un rapport avec son plan. Ah, son plan de rester planté là sans rien faire? Il devrait être en train de faire tourner la manivelle. Regarde, il se dirige vers le laboratoire. Ah, c'est pas une mauvaise chose. Je pourrais tenter de le jeter dans les fraises, juste pour voir quelle sorte de jus ça ferait. Va le chercher et remets-le au travail. Ah.
pourrait étudier ces pages qui sont marquées. Sacha, Andy est furieux que tu ramasses des feuilles plutôt que de l'aider. Mais je l'aide. Ces feuilles sont la clé pour cette nouvelle méthode de fabrication du jus. Tu vas comprendre. Pourtant, ça ressemble à des feuilles normales, n'est-ce pas? Je sais, mais quand j'aurai fini mes expériences, elles seront la clé du jus le plus rapidement fait. Il est occupé à expérimenter. Quoi? Il expérimente? Bientôt, ce savant fou nous fera servir notre jus dans des éprouvettes. Je ne pense pas, mais il a dit qu'il utilisait ses feuilles pour le jus. Il t'a dit qu'il voulait mettre des feuilles dans le jus? Oui, il a dit qu'il se servirait des feuilles pour sa nouvelle méthode à faire du jus rapidement. J'aurais tout entendu. Remettons-nous au travail. On n'a pas de temps à perdre pour ce savant fou de Sacha. Alerte météo matinale. Attention villageois, ce sera une fournaise. Hein? Alors sortez vos maillots de bain ou restez à l'ombre. Vague de chaleur en approche. Non! Toutes nos fraises vont flétrir au soleil! On va être ruinés! C'est horrible! Si toutes les fraises sont gâchées, on va faire mauvaise impression à la télévision! Et alors, qui voudra de notre jus? Il faut qu'on se mette au travail! Et au plus vite! Mais il y a encore tellement de fraises! C'est vrai! Il faut que je m'y mette très sérieusement! Je vais tourner sans relâche! Andy, est-ce que ça va aller? Moi, ça va, mais je me fais du souci pour les fraises. Alerte météo pour le week-end. Il va faire chaud, 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 une chaleur brûlante. N'oubliez pas votre crème solaire. Oh non, il nous faut faire tout le jus pour demain où les fraises seront gâchées. Enfin, l'agent de fermentation parfait. Sacha! Sacha, où es-tu? Je suis là, Billy! Aide-nous! On a une montagne de travail et la météo annonce la vague de chaleur pour aujourd'hui! C'est vrai? C'est fantastique! La chaleur va ruiner les fraises, n'es-tu pas inquiet? T'as l'air plutôt content! Content? Je suis surexcitée, tu veux dire! Tu sais ce qu'on va faire? On va mettre les fraises au soleil et elles vont se transformer en jus en rien de temps! Andy! Alors, Billy, tu as dit à Sacha que la vague de chaleur commence aujourd'hui? Oui! Je lui ai dit et il était content et veut mettre toutes les fraises au soleil pour les transformer en jus. N'est-ce pas fantastique? Il veut faire quoi? Mettre les fraises au soleil? Il est devenu complètement fou! Depuis qu'il lit ce maudit livre, il n'a que des idées complètement folles! Ah, je vais le faire revenir sur Terre et vite! Attends-moi! J'espère juste qu'on est dans les temps! C'est fait. Maintenant, il faut récupérer le reste des fraises. On a couru jusqu'ici. Mon frère? Qu'a-t-il fait? Oh non, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il gâche toutes les fraises. On va être humiliés à la télévision. C'est horrible. On va se faire complètement humilier à la télévision. Regarde ce qu'il a fait. C'est la déconfiture totale. Oh. Eureka! On va faire de la confiture de fraises. C'est une idée géniale! Organisons-nous! Je vais chercher le pot et toi du bois pour faire du feu! Allez, vas-y! Quel est le meilleur endroit pour ramasser du bois? Côté est ou côté ouest? Oh, est, ouest, ça m'est égal, mais vas-y vite! Je vais vers le sud! Même si on fait de la confiture, c'est toujours pas du jus! Non! L'équipe de télévision est arrivée! Nous sommes ruinés! Oh non, le pot! Reviens ici, s'il te plaît! Ne me laisse pas comme ça! Je ne sais pas très bien nager! On va être ruinés! Oh non! Arrêtez de filmer, s'il vous plaît! Vous ne pouvez pas faire ça! Quel est le problème? Quel est le problème? Pourquoi Andy est-il si énervé? Il a l'air d'être tombé d'un pont. Oh, oh non, s'il vous plaît, arrêtez. Quel est le problème? Non, je suis désolé. Pas besoin de t'excuser, Andy. Stop. Comment as-tu pu mettre les fraises au soleil? Ne dis plus un mot, c'est ta faute. Laisse-moi nettoyer ce travail. Oh, c'est toute ta faute. Oh. Hé, Andy, c'est ce que j'essaie de te dire. Tout le jus est fait. Regarde là-bas. Hein?
Je dois avoir des hallucinations. Waouh, c'est vraiment du jus de fraise. Comment as-tu fait en étant tout seul? Dis-moi, c'est vraiment incroyable. Comment savais-tu que ça deviendrait du jus? Andy, j'ai le bois pour le feu. Non, Billy, on n'en a plus besoin. Vite, cache-le, vite. Alors on ne fait pas de confiture? Sacha, tu dois me dire comment tu as fait, mon frère. Quel est ce secret? Dis-le-moi. J'ai utilisé les feuilles comme agent de fermentation. Et quand je les ai injectées dans les fruits, c'était très facile. Alors, ça a vraiment marché? Oh, je n'y crois pas. Alors, as-tu fait tout le jus avec la nouvelle méthode du livre? Superbe! Exactement. Apparemment, il y a beaucoup à apprendre des livres. Tu as sauvé la journée, Sacha. Oh. Ouais.